Salut les amis, nous voici pour une nouvelle partie de World of Tanks commentée en français. Donc, j'ai un petit objectif en ce moment, qui est à faire avec ce petit char que vous voyez, le ELC AMX BIS, ou l'AMX ELC BIS, comme il l'appelle maintenant. Avant c'était un petit peu l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est sur la map Redshire. C'est un léger, hein, donc forcément on tombe la plupart du temps face à du tiers plus élevé, donc il peut aller jusqu'à plus 2 voire plus 3, ça m'est déjà arrivé. Donc là on a du plus 2, donc comme je l'ai expliqué dans des précédentes vidéos sur le gameplay de léger, vous savez qu'en ce moment comme j'ai un petit objectif, et ben, je le joue, j'optimise les tirs, donc je vais jouer de la gold, ça c'est sûr. Vous voyez, j'en ai mis 10. Les 10, je compte les utiliser, hein, c'est pour voilà, optimiser mes tirs. Donc pour ceux qui auront suivi ou qui devineront mon objectif, pas de surprise, vous serez déçus à la fin de cette partie là parce que je les aurais pas fait. Par contre la partie est super intéressante parce que j'ai fait tourner en bourrique pas mal de chars, hein, vous allez voir ça. Donc qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du matchmaking? On a un lourd de plus par rapport aux adversaires. Ils ont un TD supplémentaire et le reste c'est exactement la même chose. Par contre, on peut voir qu'en face, ils ont deux très très bons joueurs qui sont en platoon avec des chars de tiers 8, donc la T15 qui est super chiant à percer. La MX50-100 qui avec son burst fait énormément de dégâts, donc à eux deux ils peuvent faire très mal. Nous dans notre équipe, on voit qu'on a un Centurion qui a un bon niveau, un Jack Panther, on a un Chito. Moi je vais pas me compter dedans, mais vous voyez par rapport à eux les chars, on a quand même un désavantage parce que notre 112 qui pourrait faire face à ces chars là, bah, c'est un novice. On a notre Arty qui est un peu novice aussi, on a un SU-152 qui est novice, donc c'est pas gagné. D'ailleurs on est donné perdant par XVM, donc on va voir ça tout de suite. Donc sur Redshire il y avait un petit buisson bien sympathique ici qui n'existe plus. Par contre j'ai trouvé un autre poste avancé qui peut se faire en ELC AMX parce que comme il est très petit, il a un excellent camouflage, vous allez voir ça. C'est vraiment un char bien sympathique comme ça, hein. C'est un vrai fantôme. Donc déjà on va pas se précipiter, hein. on va regarder un petit peu ce qui se passe. On regarde notre équipe comment elle se dispatche. Donc on a deux lourds qui partent dans le couloir 0, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez vu la petite nouveauté ici aussi, c'est qu'il y a un château, c'est plus une plaine toute plate. Donc ça se bagarre pas mal dans ce secteur là maintenant. Donc là on a le Chafi qui est spot. Je sais pas si c'est moi, je ne crois pas. Je pense que c'est le Bulldog qui l'a spoté. Par contre moi je spot le WZ. Donc on sait qu'il y a un lourd déjà qui va chez en couloir 0. C'est bizarre que j'en ai pas spoté plus, je suis un peu surpris. Donc on va voir ça. On voyait une petite phase d'attente, d'observation. Et effectivement, le 50-100 était là. Donc là, il mange sévère hein, quand même pour tout ça pour vider son barillet. Oui. On va voir ce qu'il fait, il s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait autant de monde. Là, je vois le Chafi qui se ramène. Le temps de réticule, bah vous voyez, je tire même pas parce que en fait c'est pas un bon sniper, sauf si vous êtes full réticule. Donc pour ça, j'ai pas tiré. Je fais un petit peu de dégâts par détection, je pense. C'est un peu le but. Allez, WZ s'il sort, on va en coller une. Et on voit que le couloir 0 est perdu, hein, clairement. Le WZ il va mourir. Excusez-moi, j'ai terminé. Allez, un petit cachou à la MX. Et là je suis spot, donc je me casse. Voilà, là le couloir 0 il est mort, donc ça sert à rien de rester là. On voit que de l'autre côté, bah, ça pousse. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, on a un côté de la map, ils ont l'autre. Donc moi je vais pas aller trop loin, je vais essayer de travailler pour les artis. Donc je vais me cacher. Et je vais attendre. Encore une fois. Vous voyez par contre je me dirige dans la bonne direction pour mettre un cachou si je vois un char qui apparaît.
Donc on va attendre un petit peu. Donc si j'imagine que les deux bons joueurs, s'ils observent leur minimap, je pense qu'ils vont backer. Par contre les autres risquent de passer, donc c'est pour ça que je reste là quand même. Avoir une petite porte de secours. Donc là j'avertis mon équipe que attention. Donc, par contre c'est la chasse aux artis. Vous voyez déjà le 50-100, il a backé, ça c'est sûr. Et là je spot l'IS-3. Donc voilà pourquoi je suis à la gold. Hein. L'IS-3, sans la gold, je l'aurais pas percé. Très très difficilement. Donc là je suis à la gold pour assurer mes tirs. Donc là je vois que l'arty le vise. J'essayais avec un peu de chance, sait-on jamais, de le déchenier. Ça n'a pas marché. Je le laisse à 80 PV. On n'a pas été spot. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà notre arty qui recharge, qui a loupé son tir. Et notre équipe qui capte, donc qui donne la position de ce qu'elle fait. Donc ça c'est pas... à ce moment de la partie c'est pas encore... On sait que le 50-100 a backé, donc c'est pas intéressant de le faire. C'est donner des indications à l'ennemi. Allez, IS-3 on va essayer de le sortir. Ouais. Ça c'est fait. First blood. Donc j'adore la petite voix. Unreal Tournament. Donc là, la T15. Ah par contre, il faut bien que je réticule. Vous voyez, si je réticule pas, je gaspille mon obus. Donc il vaut mieux ne pas tirer, être sûr de soi pratiquement. Essayer d'assurer le coup. Donc là je vais me repositionner parce que je suis beaucoup trop loin. Il y a les maisons qui me gênent. Donc je vais essayer de m'approcher et de les prendre un petit peu à revers. Donc là toujours utiliser des buissons. Vous voyez, je vais me mettre dans le buisson. Et là je vois la MX derrière qui me spot. Et moi aussi je suis spot. Donc ça c'est chiant, donc je me casse. Allez, j'essaie de rouler, c'est la MX qui m'a spoté. Sentir, vous avez vu la traçante, tant mieux. Mais je m'éloigne de la zone de combat, vraiment être le plus furtif possible, changer de direction, utiliser les buissons. Voilà, je suis dans les feuillages et on va essayer d'en coller une. Voilà, ça ça marche. On se méfie des petits autres là. Donc la T15 qui avance pour des caps avec vous voyez la technique de combat des deux bleus là, 50-100 qui est en couverture de la T15 et la T15 qui spot tout le monde. Et là on est mal barré, vous voyez, 11 à 11. Bon, vu les chars qu'il leur reste, WZ-Sound qui se ramène. Et là, cet obus là qui ne passe pas. Il couche tout le temps. Double kill. Donc là, c'est dommage que nos artis aient pas bossé un peu plus là, parce que le WZ-111, vous avez vu, il est full PV, les autres je peux pas les one-shooter, donc c'est mal barré. Donc maintenant, une phase j'ai beaucoup aimé, c'est que je vais les faire tourner un petit peu en barrique, en bourrique, pas en barrique, donc vous allez voir ça. Grâce à la mobilité et la vitesse de ce char là, la furtivité, on arrive à faire des trucs bien sympathiques. Ouf. Passpot, vous avez vu? Alors ça c'est magnifique. Je le laisse passer. Voilà, moi je sais où il est, lui il sait pas. Il y a le WZ, donc je me planque.
Voilà, j'ai pas été spot. Ça c'est nickel. Donc je me cache bien. J'attends un petit peu. Clinix il est avancé. Et je vais essayer de jouer un petit peu. Double VZM. Clinix voilà. Je spot. Ok. Mainarty qui saute. Donc là, je fais mine de partir. Et je pars vraiment, en fait. Donc là, je suis un peu dans la mouise. Je sais pas trop quoi faire. Je sais que la partie est perdue. Mais malgré qu'elle soit perdue, je vais essayer de mettre un maximum de shoot quand même. Alors il faut savoir que le WZ il one shot, l'AMX 500 pas loin. Et là je me fais courser. Donc hop, Tayo. Il a un petit handicap de char là, regardez quand il passe dans l'eau. On le voit pas trop là, mais il ralentit pas mal, donc il faut faire attention à ça. Faire attention au terrain parce qu'il est assez sensible. Et là, je suis parti pour reset la base sans trop de conviction. On va voir ce que ça donne. Donc, allez, avec un peu de chance, je vais prendre des points. C'est surtout essayer de faire durer encore la partie. Vous voyez, en fait, je suis en train de jouer avec le temps. Quitte à pas gagner, peut-être faire un match nul. Et 30 secondes, ça peut encore le faire. Je WZ n'est pas là. Voilà, pas spot. On réticule bien. Mais par contre, il sait qu'il est spot. Donc il sort de la cape. Je lui mets le feu, extincteur automatique, et il se fait sortir par l'artie. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je donne pas d'indication de là où je vais. Et je roule. Donc là, l'artie qui bouge, il faudrait qu'il reste en vie le plus longtemps possible. Donc le WZ, on va essayer de le spot s'il vient dans ce coin-là. Là, la MX, donc je me replanque. Comme tout à l'heure, je le laisse passer. Je tire pas. Et là, je vois le WZ qui va chercher notre artie. Trop tard. Dommage. Ça m'aurait bien aidé. Donc là, je sais où sont les deux. Donc, dès l'instant où on a l'info. S'est planqué. Je pense qu'il attend le WZ. Ouais, il n'est pas là, donc moi je vais prendre une petite position différente parce que j'imagine que le WZ va tracer au plus court. Donc, sachant qu'il est à peu près là, s'il passe là, en fait, il va passer pas loin de la butte, il risque de me spot. Donc je change de place. Il y a la MX qui spot. Ouais. Deux qui dit que tous les espoirs sont sur moi. Mais avec mon pauvre ELC, je vais pas faire grand chose face à eux. Vous voyez. Là, j'aurais dû reculer avant de tirer en fait. Je me suis précipité. Ce qui fait que j'ai été spot, j'aurais peut-être pu le finir. Donc là, il s'est planqué. Et maintenant, ils savent où je suis. Donc ça, c'est galère. Donc
Donc là, je prends très très large parce que peut-être que le WZ va venir me courser. Moi, clairement, je l'aurais pas fait, j'aurais capé à deux. Bah, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et forcer l'adversaire à venir vous chercher, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, vous voyez, à deux, le compteur il va beaucoup plus vite. Donc là, je suis pris par le temps. Donc ça va être compliqué. On va essayer de faire son possible. Et là, vous voyez, je suis vraiment obligé de m'avancer. Là, deux faces, je sais que je percerai plus, surtout que j'ai plus de gold. Qui se met de flanc, c'est nickel. Et là, je reset la base de 50%. Par contre, je suis spot. Donc ça, c'est chiant. Parce que là, je peux clairement plus rien faire. 10 secondes, c'est vraiment trop long. Donc je n'arriverai pas à reset une deuxième fois, ça va être compliqué. Voilà. Et là, c'est perdu. Je mets quand même un shoot pour la forme. Et je vous mets les résultats de la bataille. Donc je suis débiteur parce que j'ai utilisé quand même 10 gold, hein, c'est pas rien. Donc vous voyez, ça coûte cher. Hein. Par contre, j'ai 1067 de dégâts par détection et 2220 de dégâts réels. Vous voyez, j'ai quand même endommagé des ennemis, hein, 5 ennemis, donc ça c'est plutôt sympathique. Et au niveau des dégâts, alors ça c'est hallucinant parce que face à du 8, vous voyez, c'est le petit tier 5 qui est top dégâts. Donc ça c'est bien dommage parce que si ça avait bossé un petit peu mieux dans mon équipe, on l'aurait gagné la partie, je pense. Voilà, donc au niveau des tirs, 12 tirs, 10 qui touchent. Voilà, vous voyez que j'ai pas mal snipé, donc il y a de quoi faire, et j'ai pas mal de points de décalage. Mais voilà, je voulais vous montrer cette partie parce qu'elle était fort sympathique au niveau technique. On va passer à une deuxième. Nous voici pour la deuxième partie. Donc toujours à bord de ce petit ULC. Donc je fais toujours la petite mission, donc je le joue pas mal en ce moment. Bon, j'ai remarqué que pour monter de même pas 1%, il faut faire plus de 2000 de dégâts, que ce soit par spot ou par shoot. Donc dès qu'on fait une partie avec 4000 de spot, 1000 de dégâts, ben, ça monte facilement de 1,5 à 2%. Donc j'ai frôlé cet après-midi les 94%. J'ai même dépassé un petit peu. Et derrière, j'ai enquillé trois parties vraiment mauvaises où j'ai fait deux shoots et tout de suite c'est redescendu à 90. Donc pas évident. Donc je remonte petit à petit et puis voilà. Donc là, on est sur Westfield. Je vais vous faire un petit topo. On peut voir qu'on a l'avantage, de lourd. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que au niveau de la colline là-haut. Ça va aider. Donc moi par contre je suis un petit léger, donc forcément je vais aller à l'endroit des légers qui se trouve dans ce coin là. Je vais essayer de spot ce qui arrive là. Là on va voir la dispersion de l'équipe, comment ça va se passer. Et donc on va voir ça. Attends, je fais une petite manip. Voilà. Désolé, je vous fais patienter un petit peu. Voilà, voilà. Et donc, je reviens à mes moutons. Donc voilà, on va lancer la partie. Donc on voit que au niveau des médiums, c'est la même chose. Les légers, c'est pareil. Ce qui fait la différence, c'est qu'en face, ils ont du TD, donc ça va camper un petit peu plus en arrière. Ils ont un très bon joueur, là, le Panthère 2. On est donné perdant à 30%, donc vous voyez, c'est vraiment c'est chaud parce que il y a aussi un LTTB qui fait partie des WAM, très bon clan. Par contre, chez nous, c'est du joueur moyen, donc mais ça veut rien dire. Donc on va regarder ça ensemble. Donc voilà, moi j'ai pris position, je vois que j'ai un AMX CDC qui vient à côté de moi, donc ça c'est très très bien. T34-3 qui vient à côté aussi, donc ça c'est des chars qui mettent des patates. Et là, je vois qu'il y a déjà un arbre qui est tombé.
Je sais pas si vous l'avez vu ici. Donc je sais qu'il y a du monde. On attend gentiment. Donc vous voyez, je me place à l'endroit où j'ai vu l'arbre tomber. Je sais qu'il y a des chars qui sont là. Faut juste qu'ils bougent un peu ou qu'ils shootent. Et voilà, ça y est. On réticule bien. Et il se prend déjà un petit 500. Donc milieu de vie. Donc ça c'est une bonne opération sur un tier 7. Voilà, petit timing boosté. Dommage, l'IMX CDC a loupé son tir. Par contre je suis spot, donc j'attends pas d'être reload. Je bouge tout de suite. Parce qu'avec ce char, ça coûte très très cher. Vous voyez, j'ai que 400 points de structure. Donc je peux me faire one shot par un IS-3 sans problème. Donc là j'ai pas la dépression. Et là on voit que ici, bah, ça se bagarre pas mal. Donc on attend. Rien n'est fait. Nous on a des petits légers qui est là. Donc le 59-16 fait un super boulot là avec le T-34-3. Et là je vois l'IS-3 qui est en train de descendre. Donc lui, on va essayer de calmer ses ardeurs. Il a rien à faire là, mais là j'ai un tir qui passe, nickel. Et là je suis encore spot. Donc ça c'est en kikinant, vous voyez, face à 18, hein, c'est une portée de vue beaucoup plus grande. Donc on évite spot, on est moins furtif. Donc là le petit chito, on va essayer de lui mettre une. Allez, on réticule bien. Et j'ai réussi à l'avoir. Là le Panther 2. Alors j'attends d'être reload, vous voyez, je bouge pas en attendant. Et voilà, là je commence à me placer. On va essayer de me coller une, non, oui, non. On va essayer de sortir le T43, non. Donc là ça devient un peu chaud. Donc là on va essayer d'en mettre une à l'IS-3. Et là je suis spot. Allez hop, j'essaie de me barrer. Et là, méchant coup de malchance. Je me fais amorague par le Panther 2. Donc là, je suis un peu dégoûté. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même fait 1205 de dégâts. Et on va attendre la fin de la partie pour voir déjà si on gagne et voir ce qui s'est passé au niveau du spot. Si ça marchait ou pas. Moi, je regarde souvent les fins de partie, même quand je suis mort. Parce qu'en fait, je regarde les autres jouer. Ça donne des idées des fois quand vous avez un bon joueur qui fait des bons mouvements. Donc là l'IS-3 franchement n'importe quoi. Il se croit indestructible. Donc lui clairement il va mourir et là on est à 11 à 5. Toute logique, on devrait gagner la partie. Allez, Panther 2, faites-moi plaisir, sortez-le pour moi. Qui finissent pas la partie. Vous voyez l'IS-3 en base, il s'est fait défoncer. C'était obligé. Voilà, donc là ils sont mal, hein. Ils voient plus rien. 59-16 a super bien bossé. Donc là, on continue notre petit boulot. Enfin, notre petit boulot. On finit la partie. Bon, là, il reste plus que l'arty. Hein, donc, clairement, elle va être finie. Je vais vous accélérer un petit peu la partie. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, les spots. Et. Voilà, la partie est terminée et surprise, surprise, regardez ça, voilà, objectif atteint. En fait, ce que je vous disais, qu'il fallait faire plus de 2000 de dégâts, j'ai fait 1222 de détection et j'étais à 94,2 je crois. Donc ben, j'ai eu mon 95%, je l'ai même dépassé. Donc là j'étais super content. Donc voilà,
Donc au niveau des tirs, vous voyez que je suis top XP. Ouais. Top XP. Donc malgré que je sois décédé, au niveau des dégâts, je suis pas pourri, hein, pas par rapport à l'équipe. Hein, vous voyez, je suis quand même au milieu du tableau avec mon petit tir 5. 100% de tir, hein, 5 tirs, 5 qui touchent. Donc ça c'est l'effet gold aussi, hein, il faut pas se leurrer. Donc voilà, et je vais vous mettre la petite image qui va bien. Voilà, les trois petites marques sur le canon. Donc là, j'en suis très très fier, surtout sur ce petit char qui est vraiment, c'est pas pour, c'est en toute modestie, hein, bien sûr, mais c'est pas facile à jouer quand même parce qu'il n'a pas de tourelle. Donc ça, c'est en kikinant le même char avec une tourelle, mais ça serait une tuerie. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!